Comment devenir riche? Comment devenir milliardaire? Comment devenir millionnaire? Comment prospérer? Le secret est vendu à 10 millions d'euros. Si tu cliques sur la vidéo, tu seras prélevé. Es-tu prêt, Tariq, voilà, à vouloir accéder à la prospérité? Accéder à la prospérité, Tariq, à un prix. Es-tu prêt ou prête à payer le prix? Cher visionnaire, bonjour. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toucou. Sur la vidéo d'aujourd'hui, comme je t'ai dit, j'ai un secret qui pourra te faire connaître la prospérité financière, qui pourra te donner la liberté financière, qui pourra te faire atteindre ton indépendance financière. Mais ce secret, t'as dit que je le vends, ou cette information, t'as dit que voilà, je la vends à 10 000 euros. Es-tu prêt ou prête à payer l'information? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Donc, si tu me découvres la première fois sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat, d'investissement. Le but de la chaîne ici, enfin, de partager mes astuces et techniques business, de partager mon mindset, enfin, de t'aider dans tes réalisations ou ça dans tes futures réalisations. La chaîne aussi a pour but de valoriser et de vulgariser les produits du terroir africain. Donc, si les thématiques qui te parlent, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, enfin, ne pas manquer plusieurs vidéos business que diffuse la chaîne, enfin, de t'aider. Si tu l'as aussi déjà fait, je te dis merci. Donc, oui, revenons, t'as dit qu'à nos moutons, je dis, es-tu prêt ou prête à payer cette information à 10 000 euros? Veux-tu, t'as dit que devenir riche? Oui, tout le monde veut devenir riche. Mais est-ce que tu sais ce qui fait la différence entre le riche et le pauvre? Ce qui fait la différence entre un riche et un pauvre, c'est l'information. Es-tu prêt à payer telle que cette information à 10 000 euros pour pouvoir telle que devenir millionnaire en euros, pour devenir aussi milliardaire en euros? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Si on a de plus en plus, c'est-à-dire que des riches, si des riches deviennent de plus en plus riches, si les millionnaires deviennent de plus en plus millionnaires, et les milliardaires deviennent de plus en plus milliardaires, c'est parce que, c'est-à-dire qu'elles détiennent l'information que les pauvres n'ont pas. Les riches ont intégré que c'est l'information. Si les riches sont riches, c'est parce que, à cause de l'information. Tu m'entends ainsi dire à chaque fois, l'information, c'est la connaissance, et la connaissance, la richesse. Ton niveau de compte en banque est aujourd'hui à la hauteur de ta connaissance. Si tu as cliqué sur la vidéo, c'est que tu as l'esprit de riche. Si tu as cliqué sur la vidéo et que tu es en train de suivre l'information, tu es appelé à être riche. Mais je parie que beaucoup de personnes, c'est un test que je suis en train de faire, beaucoup de personnes ne vont pas cliquer sur la vidéo en se disant que Thierry va prélever, c'est-à-dire que 10 000 euros dans mon compte. C'est ça encore le mindset, c'est l'état d'esprit de pauvreté. Ça, c'est un test. Vous verrez que beaucoup de personnes ne vont pas cliquer sur la vidéo en pensant que, oui, si elles cliquent sur la vidéo, elles seront prélevées de 10 000 euros. Comment? Par la sorcellerie, par la magie. Est-ce que j'ai vos relevés bancaires? Est-ce que j'ai vos coordonnées bancaires? Est-ce qu'il y a un engagement qui, vous lie entre, qui te lie entre toi et moi? Mais il y en a encore comme ça des marabouts qui vont penser que oui, si je clique sur la vidéo, Thierry va prélever, c'est-à-dire que voilà, 10 000 euros dans mon compte. C'est ça qui fait la différence entre les personnes qui connaîtront ou qui connaissent la prospérité, et les personnes qui ont le mindset de pauvreté. Mais j'ai envie de dire ici, vous savez, à chaque fois que je dis ici, il ne faut pas courir après l'argent, il faut plutôt aller vers l'information. Parce que c'est l'information que vous avez qui pourra que vous permettre de décanter une situation, parce que gagner de l'argent aujourd'hui, c'est résoudre un problème, apporter une solution par le biais d'un service ou un produit. Mais il va falloir que vous ayez l'information. Il va falloir que vous ayez l'information pour l'opportunité. L'information aujourd'hui, c'est quoi? C'est un business. L'information aujourd'hui, c'est quoi? C'est de savoir comment, c'est-à-dire que, voilà, de flairer les opportunités, d'aller vers les personnes qui connaissent la prospérité. Il y a des personnes qui connaissent la prospérité, qui vendent, qui ont écrit des livres. L'information aujourd'hui, c'est dans les livres. C'est par le biais, c'est-à-dire que des formations. C'est par le biais des conférences. C'est par le biais, c'est-à-dire que des séminaires.
C'est par le biais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme ça, des masterminds, on fait des masterminds. C'est par le fait aujourd'hui que tu sélectionnes ton entourage, que tu ne traînes plus avec des personnes qui ont le mindset de pauvreté, les personnes qui te tirent vers le bas. Que tu traînes avec les personnes qui ont un mindset de prospérité. Avec des riches, tu veux devenir riche, tu dois penser comme le riche. Tu dois te voilà. Je vais même dire parler comme le riche. Tu dois respirer comme le riche. Tu dois être dans l'environnement, le même environnement que les riches. Donc ici, plus que jamais, c'est l'information. Aujourd'hui, plus que jamais, il ne faut pas lésiner sur la formation, sur la connaissance. Il va falloir acheter les livres. Il y en a encore beaucoup à qui on dit un livre qui coûte 15 euros. On dit, ah, le livre coûte trop cher. Ah, il vend le livre à 15 euros. Mais la même personne va aller prendre 100 euros, mettre sur une basket. La même personne va aller prendre 300 euros, mettre sur une chaussure. La même personne va aller prendre 1000 euros, mettre sur un costume. Il y en a qui ont dit ici les formations. Les formations coûtent 500 euros, 1000 euros. On va te vendre une formation à 1000 euros qui va te permettre de devenir riche ou de pouvoir gagner le million. Tu trouves que c'est trop cher. Alors, une question que je suis en train de poser. Si je te vends une information à 10 000 euros et que derrière, tu as dit que tu deviens millionnaire en euros, que tu deviens milliardaire en euros, est-ce une bonne affaire ou une mauvaise affaire? C'est comme ça qu'il va falloir commencer à réfléchir. On ne peut pas prétendre qu'on ait la prospérité si derrière, on n'investit pas sur soi. Dans cette vidéo, tu as dit que c'est une vidéo, rappel, dit investis sur toi. Investir sur toi, ça veut dire investir sur ta connaissance. Les riches se forment de façon continue. Les riches ne font pas de blocus. Les riches se forment sur plusieurs domaines à la fois. Les riches continuent, c'est-à-dire qu'à se former de façon continue. Tu m'entends ici dire, l'information, c'est la connaissance, c'est la richesse. Ne lésine pas sur ta connaissance. Je sais que nous, de la communauté, on aime le gratuit. On aime la gratuité. Mais crois-moi, tu ne peux pas connaître la preuve. Parce que moi, j'ai fait ce choix-là. Depuis 2 ans, je diffuse de façon telle que comme ça, gratuite. Mais il faut comprendre que je paye un prix. Je paye le prix les recherches, c'est moi qui fais les recherches. La connexion Internet, c'est moi qui paye la connexion Internet. J'ai perdu mon téléphone portable il y a 2 semaines. J'ai acheté un nouveau téléphone portable. Ça a un coût. Je suis tel que dans le domaine entrepreneurial, je vous ai dit, j'ai perdu 10 millions la première année en 2013 par manque de connaissances, il faut le dire. Je ne savais pas tel que j'étais novice dans le milieu, bien que entouré par les experts, j'ai perdu 10 millions, mais j'ai payé le prix de mon ignorance. Je suis allé me former, cette fois-ci, moi-même je suis venu faire les choses, et les choses sont là. Le patrimoine que j'ai aujourd'hui, c'est une valeur de milliards, plusieurs milliards. Je continue à payer le prix, c'est-à-dire que voilà, parce que les techniciens que j'ai en place, qui travaillent, j'achète leurs connaissances. Ça a un coût. On ne peut pas s'enrichir si on ne dépense pas. La connaissance a un prix. Allez plutôt vers la connaissance. Moi, au jour d'aujourd'hui, la connaissance que j'ai, le peu de connaissances que j'ai, je mets en application, je gagne de l'argent. Et ce qui est en moi, la connaissance qui est en moi, on ne peut pas me l'enlever. Donc, il ne faut pas aller s'attacher tel que sur les biens matériels, sur les possessions. Ah, ma voiture, ah, mes chaussures, ah, mes vêtements, ah, je ne sais pas moi, les sorties, les perruques. Cherche plutôt à enrichir l'intérieur. Il faut comprendre que la richesse est d'abord intérieure. Développe ton intérieur, enrichis-toi tel que de l'intérieur, et ton extérieur sera riche. Voilà ce que j'ai à partager sur cette vidéo. Toi qui as cliqué sur la vidéo, que l'esprit de richesse t'accompagne. Les personnes telles que qui ont cité, qui ont hésité, qui n'ont pas fait, ben, il va falloir muscler le mindset. C'est ce que j'appelle esprit de pauvreté. Donc, marque-moi sur les commentaires. Est-ce que tu as hésité, Téric, avant de valider la vidéo?
Quelles sont tes impressions? Qu'est-ce que tu as pensé? Est-ce que tu as hésité? Ou l'esprit de richesse t'a conduit? Est-ce que tu as ce mindset-là? Es-tu prêt ou prête à payer 10 000 euros pour acquérir l'information, la connaissance? Parce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Si nous voulons être une communauté forte, on se doit aussi aujourd'hui d'aller chercher la connaissance, d'aller chercher l'information. La différence entre les riches et les pauvres, c'est parce que les riches détiennent l'information ou la connaissance que les pauvres n'ont pas. C'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà ce que j'avais partagé sur cette vidéo. J'espère que tu as aimé, j'espère que tu as appris quelque chose. Si tu as aimé, tu laisses un like. Laisse-moi ton avis sur les commentaires, je me ferai bien le plaisir de les lire. Partage massivement la vidéo autour de toi, afin que finalement qu'on ait une communauté, tu aies un mindset de richesse, un mindset d'abondance, et que l'esprit de pauvreté, t'a dit comme là, ne nous quitte jamais. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Comme j'ai coutume à dire, cette fois-ci, écoute bien, l'information, c'est la connaissance, c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes à l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci. Prochaine vidéo. Ciao.